Au début, je voulais aider les gens. Tout petit, déjà, je voulais aider les autres. Mais les grands, ils avaient pas besoin de moi. N'ayez crainte, chère demoiselle. Capitaine Nero va vous secourir. Moi aussi, je veux jouer avec toi. Tu peux pas, je suis le seul et l'unique héros. Mais moi aussi, je veux être Capitaine Nero. Capitaine Nero, pas Capitaine, tu sais même pas le dire. J'ai pas besoin de ton aide. Mais je voulais juste t'aider. Alors, j'ai grandi dans mon coin. Dans mon petit coin, même. Je vous ai dit que j'étais dame pipi. C'est d'ailleurs là que tout a commencé. Le jour où j'ai rencontré Mademoiselle Lassion. Lina, elle voulait que je l'appelle. J'ai le pouvoir de faire de toi un être encore meilleur. Soi-disant, on était amis. Maintenant, tu as le pouvoir d'aider les autres à ta façon, comme tu veux. Et donc, c'est elle qui m'a fait devenir un super-héros. Je vous ai dit que j'étais super-héros? Ouais, j'étais. Bah, j'étais même plutôt bon, hein. Alors pendant des années, bah, j'ai sauvé les gens dans leur tracas quotidien et autres accidents domestiques. Alors c'est vrai, je sauvais pas le monde, mais j'étais utile. Ne vous inquiétez pas, Wonder Captain a toujours une solution. Bon, vous inquiétez pas, Wonder Captain a toujours une solution. Heureusement, Wonder Captain a toujours une solution. Wonder Captain a toujours une solution. Oui, mais vous pouvez m'en parler? Bonjour, quel problème? Bonjour, je m'appelle Bertrand, je voulais savoir si... Slap! Ça va pas ou quoi, mais... Mais tout a changé le jour où Dr. O a inventé une machine pour me retirer mes pouvoirs. Au cours de la bataille, c'est un civil qui les a reçus. Et c'est comme ça que Power Quick est né. Mais bon, à la fin, j'ai récupéré mes pouvoirs. Et Power Quick, pour une raison qu'on ignore, bah, les a gardés aussi. Donc, bah, pendant que je continue à aider les gens, PQ... Oui, parce que c'est le petit nom que je lui donne. Donc PQ, je disais, bah, essayez aussi de les aider de son côté. Bon, avec moins de réussite, faut l'avouer. Qu'est-ce qui se passe, Robert? On est en panne d'essence. Je crois qu'on est coincé là pour quelques heures. Ah. Tenez, avec ça, vous pouvez repartir. Merci. Je vous en prie. Power Quick est toujours là. Salut. Bon, faut reconnaître qu'il m'a quand même bien aidé deux ou trois fois. Ben, par exemple, quand Capitaine Carnage a voulu devenir le seul super-héros. Vous vous souvenez de ça? Bon. Ben là, c'est vrai que c'est PQ qui m'a donné la force de le combattre. Et dire que j'ai douté de moi. Mais heureusement, toi, t'as pas douté de toi. T'as eu confiance en moi quand j'étais plus là. Et grâce à toi, bah maintenant je suis là. Et Wonder Captain aussi. Parce que si t'avais pas été là, je serais pas là. Mais je suis là. Mais en fait, c'est grâce à moi. Bah, c'est ce que je dis. Et malgré tout ça, on l'a pas assez écouté. On s'est même un peu moqué de lui avec les autres. Quel exemple pour les enfants. Et c'est là qu'est venue sa volonté de devenir un vrai super-héros. Mais c'est quoi un vrai super-héros? Bah, je vais vous le dire, moi. C'est quelqu'un qui laisse pas tomber ses amis. Je suis pas assez bien pour eux. Bah, c'est ce qu'on va voir. Bon, j'en étais où? Ah oui, PQ qui veut changer. Bah donc il a acheté son costume. C'est dommage, hein, moi je l'aimais bien son costume. Et bah il en a fait un nouveau dans un tissu magique qu'il a trouvé je sais où. Et c'est comme ça qu'il est devenu la Bresse. Chaque jour dans ce monde, des milliers de gens sont victimes d'injustices, d'abus, de préjudices. Eh bien ces gens aujourd'hui ont leur héros, leur sauveur, qui saura les aider, les défendre. Et ce héros, c'est moi. Et moi j'ai évolué. Enfin, j'ai évolué. La fée m'a fait évoluer. Bon, je croyais que c'était pour me remercier en rapport à l'histoire entre Power Quick et la Braise. Mais non, a priori, elle en attendait plus. Tout ça, ça filait pas mal, finalement. Jusqu'à ce que la fée me retire mes pouvoirs. Et qu'est-ce qui va m'arriver? Ça! Non, 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 pas, pas mon costume, pas mes pouvoirs, non, vous pouvez pas faire ça, non, non, non. Vous savez tout, je suis devenu quelqu'un de normal. Remarquez, ça me laisse du temps, hein, pour moi et pour ma femme. Je lui fais des bons petits plats. Oh ben, d'ailleurs, faut que j'y aille. Merci.